Oui, tu t'es trompé, Zerachu. Allez, tout le monde croit au pouvoir des wins, oui! Est-ce qu'il y a un truc ici? Est-ce que je peux? Ah non, bah oui, il me faut l'emblème. Ouh, j'ai cru qu'elles allaient m'attaquer. On va essayer d'éviter un max les zombies. On n'a pas le choix. C'est trop fort ça. Coucou Jade, comment vas-tu? Jade, j'ai vu ton petit message. Je suis désolée, j'ai oublié de répondre hier sur Discord. J'étais occupée à bosser toute la soirée sur les VOD. Je te réponds tout à l'heure, d'accord? J'aime trop. En fait, même si le jeu est compliqué dans les déplacements, déjà j'y arrive beaucoup mieux. Mais alors franchement, j'aime trop ce jeu. Il est génial. Il est trop trop cool. C'est le même concept que Resident Evil 1. Alors les gens me diront, ah non, pas du tout. Resident Evil 1, c'était mieux. Moi, j'adore. Voilà. Je trouve les deux très bien et je kiffe. Ça va, Jade, merci. Ok. C'est là qu'on veut aller? Je sais plus. Oui, c'est là. Ouais, c'est les mêmes déplacements. Alors, juste que dans Resident Evil 1, je pouvais me déplacer au... Enfin, c'était pas le même concept de déplacement non plus parce que c'est les mêmes caméras et tout ça, mais le déplacement était plus facile sur Resident Evil 1 que sur Code Veronica, mais voilà. Non, Kasai. Non. Enfin, si, c'était bien, mais voilà. Après, de toute façon, on attaque Resident Evil 0 qui est comme Resident Evil 1, et ensuite on ira faire le 4. Ok, du coup, on va aller voir les Hunters, nous. Vous pensez que... Ah non, on pense rien du tout. N'oubliez pas qu'il y a R1 et R1 Remake. Ouais, mais moi j'ai fait le remake. J'ai pas fait le R1. Visible. Hier, on m'a dit que j'avais fait le remake. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé. Ouais, je regarderai ça plus tard. Mais apparemment, j'ai fait le remake. Donc, on a une plante ici. Non, 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 j'allais encore faire une bêtise. J'allais encore faire une grosse bêtise. Ouais. C'est ça. Hop, on va prendre le fusil. Tout de suite. Hop. On court sur le côté. Allez, prends cette arme. Oui. Ah non, il prend qu'un emplacement. Mais alors pourquoi j'avais pas de place? J'ai fait que des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. Coucou Rasta, tu vas bien? On va s'équiper du... Ah, il est plein, ok. Eh bien moi, je veux m'équiper de ça. Voilà. Oui, et toi? Oui, ça va super, merci. Et voilà, nos remakes, c'est exactement les mêmes déplacements. Ouais, voilà, que moi j'étais sur le remake, du coup les déplacements étaient un peu plus faciles. Mais bon, maintenant t'as vu, je commence à m'y faire. Alors oui, dans certains moments... C'est ultra compliqué, mais ça va. Tu vois, je... Par rapport au début, c'est moins saccadé, les déplacements. Franchement, ouais. Ouais, t'as vu, j'ai pris l'habitude. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors. Non. Non. Debout! Debout! Voilà! C'est bon? 4 grenades de napalm pour ça. Pareil, le jeu est content. Alors, qu'est-ce que ça, à quoi ça sert? Le panneau de contrôle de la plaque tournante. Il y a une serrure. Oh. Eh, mais on n'est pas dans l'entrepôt là? C'est pas. C'est pas l'entrepôt ça? En fait, et Et en fait, la clé d'entrepôt que j'ai, c'est pour cet endroit-là, spécifiquement. Et que, genre, je l'ai jamais utilisé comme une mongole. Tu prends plaisir? Ouais, ouais, clairement, clairement, je prends grave plaisir à y jouer. Je crois que c'est ça, hein. Hop. Hop. Alors, on récupère les balles du fusil à pompe. Dans ce chat, il y a des gens qui ont joué à la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. J'aimerais bien y jouer, j'aimerais un avis.
J'y ai pas joué, moi. Désolée, Babel. Badar qui gueule! T'as pris le P de Erin, là. C'est pas bien. Y'a un truc, là. Y'a un truc, là, non? Non, y'a rien. C'est... Ah non, c'est une herbe bleue et pas une herbe verte. J'ai pas envie de la prendre. Alors. Changer la température. Il ne s'est rien passé. Je pense qu'il faut... Oui, je sais, l'herbe rouge, je l'ai vue, Volk. Je t'ai dit, j'ai vu tous les items. C'est juste que ça, j'avais pris ça pour une herbe verte. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il me faut un élément que j'ai pas. Donc on y retournera plus tard. On y retournera plus tard parce que là, j'ai pas la température. Par où je peux passer, du coup? Je sais pas du tout. J'ai une poignée de porte. Je sais pas à quoi elle peut me servir. Ça doit sentir bon là-dedans, et t'as vu, ça sent super bon. Non, là je suis bloquée. Bloquée, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui va enlever la chaise de Ewin. Désolée, j'ai pas assez. Non, m'enlevez pas ma chaise. L'interrupteur est cassé. Ok. Bon, bah, faut... en fait, faut que j'aille chercher la clé. Voilà, c'est ce que je disais. Faut que j'aille chercher la clé, donc c'est reparti pour un demi-tour. On est vraiment ravis. Et on va aller chercher la clé dans le coffre. Moi je peux... Non, tu fais pas. Yépépé. Et quoique, je pourrais prendre... Parce que là, il y a une herbe verte en bas. Je pourrais mélanger herbe bleue, herbe verte et herbe rouge. Ah non, je l'ai plus. Si à chaque fois j'ai un peu stock de points, il y a le booster le stream. Du coup, je suis toujours à sec. Alors, ça fait un moment que moi, j'ai pas eu booster le stream, Rasta. Je préfère garder mes points pour le boost ou mon VIP. Ouais, mais j'ai l'impression que le boost est terminé chez moi parce que ça fait un moment que je l'ai pas eu. Ça fait très très longtemps. C'est 2 semaines, hein, je crois. Mais pourquoi? Parce que... Pourquoi ça te dérange de jouer debout? Bah parce que c'est embêtant, tu vois. Oui. J'ai une star qui a besoin de se laver n'importe quoi. Idem, je peux m'en VIP, j'ai quoi? Let's go économiser. Après, MacGyver, c'est pas du tout la même histoire dans les films, entre guillemets, et dans les jeux. C'est très différent. Faut que j'aille là. Ouais, donc on est reparti pour un tour pour rien. Trop bien. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Fallait pas me laisser, tu vois. J'ai hâte... Ouais, moi aussi j'ai hâte, Babel. J'ai vraiment hâte. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout bu le cola-cola. Et comme t'étais toujours pas là, nanana... Oh, ça date, hein. Je crois que j'étais en primaire quand cette musique est sortie. Non mais vraiment, cette musique... Cette horreur... Hop. Oui. Ouais, les films sont partis en roue libre. 2007. Alors peut-être que j'étais pas en primaire. Peut-être que j'étais au collège 2007. Je sais pas, j'avais quoi, 10 ans? Allez, j'étais en CM2, j'allais rentrer en 6ème. Rip. Oui, le dinosaure. Non, je suis pas un dinosaure. J'ai pas eu le dinosaure. Mais dommage, au repos, c'est pas grave. Oh, tu sais, ça fait que 1h20 qu'on a... 1h30 qu'on a commencé. T'inquiète pas. T'as pas loupé grand chose. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai vidé le Nutella. Mais ça, je l'ai déjà dit, c'était pas ça. Voilà, tu t'es trompé, Babel. Tu t'es trompé. Si t'es tu au boss, ça va. C'est quoi? Ouh! C'était toujours... Ah oui, non, j'ai pas le... Il n'y a pas eu de boss pour le moment. Il y a eu deux hunters que j'ai tués, mais ça va, tu vois. Du coup, on prend la fameuse clé de l'entrepôt. Je pense vraiment que cette fois, elle va nous servir. Donc... Mais non, mais pas du tout. Mais je suis sûre que pas du tout, en vrai. Je sais pas quoi faire, alors attendez.
Là, on peut pas y aller, il y a l'emblème, ok? Là, on a tout visité. Là, on peut pas y aller, c'est bloqué. À droite, c'est l'ascenseur. Ah non, mais je... Quoi? C'est pas... Non, c'est pas au même endroit. Pour info, quand... Quand la chanson était sortie, moi je te parle de Bébé Lily, pas la nouvelle, pas l'ancienne chanson, tu vois. Bah non, mais je sais pas. Là, on peut aller que dans un sens, mais je peux pas aller là. Eh ben les amis, ça va être l'enfer. De Sabine Paturel, oui, mais moi je connais pas Sabine Paturel, moi je connais Bébé Lily. Sale gosse, va. Alors. On va tester quand même la clé de l'entrepôt, mais sinon... Sinon, je sais pas, il va falloir que je teste des choses avec... aucune idée, en fait. J'ai peut-être raté des choses. Je sais pas, enfin, genre là, je peux aller nulle part. Il me semble que là, je peux aller nulle part, genre. Regardez. Là, je peux pas. La porte a été soudée, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà, là, la caisse, elle nous bloque. C'est des caisses qui sont mal mises, donc forcément, on peut pas les pousser. Après, tu étais peut-être déjà grande, madame le dinosaure, mais je suis pas un dinosaure! L'autre côté, c'est pas là. Ici, c'est bloqué par un bidon. Franchement. Là, c'est pas là, c'est sûr. On parle que de la musique chaud cacao. Ah ouais? Pourquoi elle est considérée comme raciste? Attends, j'allais la chanter là. À quel moment elle est considérée comme raciste? Enfin, en fait, je connais pas les paroles. Hein. Moi, je connais juste la chanson parce que quand j'étais petite, tu sais, quand t'allais au camping ou en soirée comme ça, enfin, tu sais, des petites soirées quand t'es enfant, la musique elle passe au boom ou ce genre de choses. Mais alors, voilà. En Belgique, depuis peu, ben, je savais pas du tout. Après, il doit y avoir des raisons pour lesquelles elle est considérée comme raciste, mais je pensais pas. Mais du coup, je la chanterai pas. J'ai failli la chanter, mais je la chanterai pas. Mais par la loi, elle a été considérée comme raciste. Ça devient ridicule. Non, mais ça dépend. Ça, je sais pas, enfin, en soi, on sait pas, tu vois, mais c'est la loi qui a décrété que cette musique était raciste. Ah non, par des personnes lambda? Ah ok. D'accord. Non mais moi c'est ce qu'on disait avec ma mère. Ah oui, c'est ce qu'on... À midi on a parlé de ça. Et parce que j'ai donné toutes mes fèves à ma sœur que j'avais eu quand j'étais petite. J'ai dit, mais de toute façon bientôt ils vont supprimer les fèves de la galette des rois parce que... Parce que tu comprends, on peut s'étouffer avec la fève et ça tue des gens, quoi. Donc franchement, c'est terrible. C'est honteux de manger la galette des rois, quoi. Et de la distribuer dans les écoles et tout. Attention, hein. Voilà. Et ouais, voilà. Du coup, voilà. Enfin, y a des choses maintenant, enfin... Genre, c'est terrible. Et je suis sûre que ça va arriver. La galette des rois va vraiment être supprimée à cause de ça. Les musiques d'avance font prendre un coup, on n'a plus le droit de rien faire. Ouais, je sais pas. Après, c'est parce que le monde évolue aussi, tu vois. Oh, mais je peux pas pousser ça, là? Non, je peux pas. Hein. Là, il y a quoi? Il y a un spécial à signaler. Panneau de contrôle. Il est fermé et ne peut être utilisé. Ok. Ouais, la fève, une vraie histoire d'amour. Moi, je l'avais tout le temps. Bon, je trichais, mais je l'avais tout le temps. Il y a une serrure. Est-ce que utiliser la clé de l'entrepôt, ça fonctionne? Mais non! Mais je comprends pas ce que je dois faire! Oh! Mais je sais pas. Je suis bloquée. Pauvre fou. Et Joe Biden dit que Poutine est un tueur et qu'il va en subir les conséquences. Ah oui. Ah oui, là, il vient de déclarer la guerre à la Russie, c'est ça? Mais dis donc, c'est pas mal. Attendez, j'ai pas regardé ici. Y a rien à regarder. Mais je sais pas.
Je sais pas trop quoi prendre. Changer la température, oui. Je sais pas, je suis bloquée. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Je peux aller nulle part et je dois résoudre ce problème avant. Mais j'ai rien là où il y a le code. Attendez, je peux pas lire ça par exemple? Je suis bloquée, hein. Là, je sais pas. Si quelqu'un a un petit indice à me donner, que je sache. J'aimerais beaucoup. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non. Manuel, fax d'accès de demande, description TG01. Non. Journal du prisonnier, note anatomiste, secrétaire. Je sais pas, vérifie tes notes, mais j'ai vérifié mes notes, mais y a rien qui me... Y a rien qui me dit que c'est ça. J'ai parfois... Ok... Non, c'est pas ça. Coupure de journal. 10 ans, ouais. Carte postale. Non. Bah alors là, les gars, je sais pas du tout. Je comprends pas. Je suis complètement bloquée, hein. Je peux pas avancer. Je peux pas monter là-haut. Non. Bah écoute, je veux bien. Parce que là, j'ai zéro info en fait. Je comprends pas où c'est que je dois aller. Je suis allée partout. Je suis bloquée. Je suis complètement bloquée. Non, ça, je peux rien faire. Ok. D'accord. Eh bien, c'est sympa. Si personne... Bah, visiblement, personne connaît. Donc, J'en suis au début un peu de crise. En gros, dis-toi juste qu'il y a un réfrigérateur et que je dois mettre une température. D'accord? Pour faire changer la couleur d'un liquide vert. C'est bon? Voilà. Bah on va aller là, on va retourner ici. La. Mais non, là je peux pas y aller. Je ne peux pas descendre dans ces conditions. Ok, mais donc j'ai rien. J'ai rien du tout pour y aller. Le ventilateur s'est arrêté. Ok, il faut que je réactive le ventilateur du coup. Comment je réactive ce ventilateur? C'est une bonne question. Je la réactive pas ici, ça c'est sûr. On va retourner au rez-de-chaussée. Ah, peut-être que je sais. Je vais aller au rez-de-chaussée. Je crois que c'est le rez-de-chaussée. Et peut-être que sur l'ordinateur, si j'appuie dessus, ça réactive, je sais pas. Là, va y avoir le zombie. On va prendre. On va... Tac. Équipé. Oui. Ah.
peur, j'ai eu très très peur. Oulala, oulala, là là, là là. Débile, j'ai foiré, voilà, sorry. Ouh, ok. Et donc, il y a quoi ici pour que ça me fasse ça? Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, attends. Mais ça, c'est pas l'entrepôt. Utiliser, bah non, je peux pas. Encore une fois, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Si je regardais ça. Le portrait d'un homme est accroché. Un squelette humain est dessiné ici. C'est assez glauque, oui. Ok. On dirait... Ouais, bah non. Non, non, non. Aucune idée. Ok, on va lui tirer dessus. Tu aimes les verres de coca, tu aimes le coca. Hein? J'ai pas compris, MacGyver. Ok. C'est bon. Il est mort. Là, je peux toujours pas y aller. Je ne peux pas l'ouvrir. Ok. Donc je... Je comprends pas. I don't understand. Il y a vraiment personne qui connaît le jeu ici qui pourrait m'aider. Parce que je me souviens de la température pour le produit où tu... et où tu peux. Oui, mais du coup, Volk, je demande de l'aide depuis tout à l'heure. Je suis bloquée. Je sais pas, me donner un indice ou me dire quelque chose. Enfin, si tu t'en souviens, c'est les deux trucs que je ne sais pas quoi faire et qu'il me faut. Y'a pas de soucis. Mais je demande de l'aide, du coup, n'hésitez pas à m'aider, quoi. Trouve rien avec le congèle, ok. Y'a quoi ici? Je pouvais y aller tout à l'heure, ici? Oui. T'as saoulé, ah non, il est trop bien. 128. 128? Mais pourquoi? Parce que moi, je veux pas forcément... Le 3 joyaux, non, c'est bien après, je pense. Moi, ce que je veux surtout savoir, c'est comment je fais pour trouver ça, en fait. Ah, oh, c'était sûr. Tu rentres dans l'avion. MDR. Moi, je l'ai fait au bout de deux fois. Non mais, voilà, merde. 8 décembre alors. Ouais, 8 décembre. Je connais mais j'ai oublié, ça fait longtemps. Ouais, je vois. De quoi 8 décembre, nana? 8 décembre? Pourquoi le 8 décembre? Attends, est-ce que ce serait... Doc? C'est là-dedans, hein. Non, c'est dans le bleu? Non, dans le bleu? Rapport sur les alliages. Je vois pas le rapport avec le 8 décembre. Tu es proche de la zone sur la poignée. Ah ouais? Dark Eagle, c'est horrible. C'est horrible. Mais faites pas des alertes avec les cheers. Faites pas des alertes avec les cheers. Ah mais c'est pas Dark Eagle, c'est The Real Rashko. Merci. Merci pour les 200 cheers. Mais non, non, mais rien, Dark Eagle. En fait, j'ai cru que c'était toi, pardon. Mais faites pas des alertes quand je suis sur Resident Evil Code Veronica. Je suis obligée de baisser le son parce que je peux pas gérer le son du jeu. Et du coup, on entend très peu les alertes. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai bad timing. Ouais, bad timing, dommage. Mais merci à toi en tout cas. Moi, je crois que c'était sur une note, je sais plus. Bah ouais, je sais pas. Moi aussi, je veux boire du coca. Ok, MacGyver. Oui, j'ai des verres coca. Genre, là, je suis proche de la porte. Merci, merci Glupil. Pour le follow encore. Mais c'était bien joué, hein, The Real Rashko. C'est juste que... Tu vois bien, mais 47 sur 100, ça fait combien sur 20? Je sais pas. C'est là? Ça doit être endommagé par le feu. J'ai peur. Ok, c'est là. Je crois que c'est là la porte.
Ouais, bah ouais, pas de chance, ouais. Et salut Gigi, comment vas-tu? Mon avancée? Bah écoute, ça avance, hein. C'est là, non? Là où il n'y a pas de poignée, il manque la poignée de la porte. Oui? C'est là. Ok. C'est le bon couloir? Bah oui, 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 c'est vrai, ça y est, je me souviens, merci. Merci, merci. Des fois, je me souviens pas. Hein. Il y a... Ah, sur la plaque commémorative, il y a une date, ok. Chouchou. Qu'est-ce que c'est? Prendre le tank. Alors... Oh! Mais ça, ça va sur... Ça, je sais où ça va. Ça, ça va au rez-de-chaussée, là. Vous savez? Oh, vous avez compris, quoi. Oh, des balles. Ça, c'est pas mal. Tu as trouvé... Avant que je trouve l'endroit... Désolée, désolée. La maquette. Oui, ça va, la maquette. Yes, yes. Exact. Voilà, merci. J'arrivais plus à trouver le mot. J'arrivais plus du tout à trouver le mot. Mais... Yes. Mais du coup, oui, Gigi, ça avance vraiment bien. On a bien avancé. On... Bon. On est... On n'est pas ouf sur... Attends, mais quoi, mais je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Ah, mince. Hop, excusez-moi. Hop, voilà. Ah ouais, mais du coup, je suis obligée de repasser par là où il va y avoir les tyrans. J'ai pas envie. Je vais me faire avoir, là, c'est sûr. Attention. Ok. C'est bon, on s'est pas fait avoir. Nickel, nickel Chrome. Voilà, je suis contente. Mais le char miniature, je sais où le mettre. Ça c'est pas un souci, je sais exactement où le mettre. On va retourner au rez-de-chaussée, aller dans la pièce à droite, donc là où il y a la maquette. Yo. Yo. Kimari, ami du jour, bonjour, comment vas-tu? Merci pour ton deuxième mois d'abonnement, merci pour ton soutien. La série The X-Files, c'est une super idée. Non, j'ai pas regardé, non. J'ai pas envie de la regarder. Non. Non, non. Merci beaucoup, Kimari. Rez-de-chaussée, on a dit, hein. Rez-de-chaussée, à droite. Est-ce que tu serais vers 70%? Ah, oh, pas mal ça, 70%. Pourquoi? Bah, parce que je suis pas envie, en fait. Simplement, MacGyver. J'ai juste pas envie, en fait, c'est bon. Oh là là. J'ai failli me faire avoir. J'ai vraiment failli me faire avoir. Ok. Ok, ok, alors, let's go. Bah quoi? Bah mais... Attends, est-ce que j'ai examiné déjà? Parce que peut-être qu'il y a un truc caché, tu vois. Genre, il n'y a rien du tout de caché. Donc on va utiliser. Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. J'ai dit ami du jour, bonjour. Donc là, on a quelque chose à récupérer. C'est une énigme que je ne sais... à laquelle je ne sais pas quoi répondre. Bah non. 70%, ils sont gentils. Bah, après, tu sais, moi je fais pas le 100%, hein, Volk. Donc je pense que ça joue. Clé plaque tournante, elle est là. Il y a aussi un dossier. Allez, un peu de lecture. Note, passage secret. Le passage souterrain qui mène à notre manoir a été sérieusement endommagé. Bien que les petites gens ne doivent pas voir Alexia, je ne peux pas non plus utiliser le passage de la rivière souterraine que les indigènes ont creusé. Mais j'y pense, je vais affecter les prisonniers à la construction d'un pont. Un pont superbe à la mesure de la grandeur d'Alexia. Je devrais ensuite tuer tous les ouvriers, bien sûr. Personne ne doit connaître l'existence de notre manoir. Mais ce genre de considération ne me gêne guère. Bah très bien. Une fois le pont édifié, je scellerai l'entrée du passage à la rivière qui mène au manoir. Le piège du diorama assurera l'inviolabilité de notre manoir. Attends. Une fois le pont édifié, je scellerai l'entrée du passage de la rivière. Le piège. Ok, il y a un piège sur le pont. On va aller. Où on va aller? Ouais, l'histoire. Volk et le tyran est plus 40-45%. 100% dans les RE. C'est. Attends.
Oui, moi je veux juste finir le jeu, tu vois, je veux pas faire le 100%. Les trucs qui sont juste là pour avoir des munitions armes. Oui aussi, c'est vrai ça. Et il y a plus le, y a plus le machin là. Alors c'est faut aller au sous-sol, hein. Oui, les Resident Evil sont bien. Bah sinon j'aurais abandonné en vrai. Si le premier m'avait pas plu, je pense que j'aurais pas fait les autres. Parce que là j'ai vraiment accroché dès le premier, mais j'aurais certainement pas fait les autres, je pense, si le s'il m'avait pas plu. Attendez, c'est où? C'est là. It's here! Here we go! Je vous rappelle aussi, hein, demain nous allons continuer Super Mario 3D World, hein, à 18h pour notre plus grand plaisir du Die and Retry du dernier niveau. Hop. Moi je fais beaucoup d'aller-retour mais parce que je réfléchis pas. Voilà. Oh non, cinématique. Long time no see, Chris. Wesker? Still alive? You're still alive? What are you doing here? I came for Alexia. Who? An organization hired me to capture her. Ouais. Wait. You attacked the island. And my sister. Oh! Quoi? Mais... Il est ultra rapide. Mais moi, je veux les mêmes capacités que toi. Je suis jalouse. You have no idea how much I hate you. You destroyed my plans. So now I've sold my soul to a new organization. Oh, il est contre Umbrella, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième organisation now dans la course? Oh, c'est l'organisation de Ada. Attends. Me répondez pas. Here's a little secret, Chris. Ne répondez pas. I figured out that your sister is now in the Antarctic with Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. Attends. Ouais, clairement. T'es deg ou t'es pas deg? Alexia? Oh non. Oh non. Hii, mais attends, j'ai pas équipé. J'ai pas équipé du tout. C'est bon? Ça va, aise. En vrai, aise. Mais du coup, est-ce que l'autre société, à tout hasard, avec laquelle... Enfin, c'est ma théorie, ne validez pas. L'autre société avec laquelle, du coup, Wesker est allé, est-ce que ce serait pas, à tout hasard, du coup, Umbrella, enfin, la société de Ada? Moi, je pense, hein. Enfin, il est en mode seinen, ouais, non, mais c'est trop ça. J'aime ce rire de méchant. Oh, c'est tellement profond, oui. C'est un cheater sur le lobby. À quand le anti-vac, quoi? Ben, je sais pas, on verra. Hein. Rigole la bouche fermée, Alexia. Ouais. Mais tu peux rigoler la bouche fermée. Hein. Ça rend moins bien, mais ça le fait. Mais moi, je veux qu'elle me chante une chanson, Alexia. Du coup, c'est là. Oui. Yes. Je suis montée? Mais moi je voulais faire la plaque tournante, je voulais pas monter.
c'est. Quoi? Attends. Elle avait la bouche fermée, donc je me pose des questions. Oui, je comprends tes questions. Alors par contre, je sais... Ah si, je sais où on est. Ok, là c'est l'entrée du laboratoire. Vous savez, on va aller... Enfin, il y a une porte à droite, ensuite il y a une porte en face et il y a un couloir à... Oui, c'est bon. Je me souviens. Ok, donc là il y a quelque chose en haut. Oh, ça c'est des flèches... Il me semble que c'est des flèches... Vous savez, des carreaux enflammés, de la poudre de carreaux. Yes. Exact, je prends. Hop. Là, il y a quoi? Là, il y a rien. Attendez. Est-ce que... Allez, pousse-moi ça. Quoi? On peut pas le pousser plus, c'est vrai? Pourquoi? Ah, parce que... Ah, moi, je me suis dit, je vais essayer de passer de l'autre côté et tout. En fait, pas du tout. Donc là, il y a une porte. Normalement, on peut y aller. Et oui. Remarque, leur rire, ils peuvent bien faire avec la bouche fermée. Hein. Avec le... Ouais, avec leur rire, ouais, clairement. Non, mais... C'est honteux. J'ai... Attends. Oh, j'ai plus de balles, hein. J'ai plus de balles du tout. Normalement, il est mort. Attends. Viens là. Coucou Keijin, comment vas-tu? Non, t'étais pas censé m'attraper. Là, attends, je récupère ça. Cartouche de fusil, oui. C'est quoi? Je ne peux pas l'ouvrir. Comment ça, tu peux pas l'ouvrir? Utilise-moi cette clé. Dommage. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Oh! Non! Ok, on s'en va. Ça va tranquille, bah parfait ça. Parfait. Beurre. Là on peut pas descendre parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. En fait là on peut rien faire. Rien faire parce qu'à mon avis... Ah mais si! Parce qu'en gros là on va activer... Et oui! Je sais, on va activer la ventilation ici. Voulez-vous descendre? Oui. Il y a une promo, McDo, 20 nuggets. Comment ça? Dans ton McDo? T'habites vers où? Ah ouais mais moi c'est trop tard hein. 18h ça va être passé, je vais pas pouvoir l'acheter. Oui. Voilà, exactement. Donc là, la ventilation s'est réactivée. Et on est good. Et il y a plein de zombies là-bas. On est comment niveau santé? On est pas mal. Hein. Une livraison? Non, je peux pas me faire livrer. Moi, il n'y a pas. Je vais prendre... Mais tu m'étonnes. Oh là là, mais je veux trop. C'est, je crois que c'est ce qui me manque le plus. De pas avoir Uber Eats pour me faire livrer plein de nuggets. Oh là là, trop bon, Zerbino. Même pas demander à mes parents d'aller me chercher. Attends, tu triches, j'étais pas prête. Je suis en danger. C'est bon? Allez, des bisous, hein. là, y a rien. Donc, ça, on est bon. Donc, là, à mon avis, ça va être bloqué. Quelque chose est tombé de l'autre côté, je ne peux pas l'ouvrir. Ça donne sur la plaque tournante, enfin... Pas du tout. Ça donne sur l'endroit où on a mis la clé pour la plaque tournante, voilà. Là, ça continue. Par contre, là, c'est un cul-de-sac. Donc, on pourrait rentrer ici. J'aurais dû prendre le fusil à pompe, hein. Je suis vraiment trop horrible. Qu'est-ce que c'est? C'est verrouillé, je ne peux pas l'ouvrir, hein, c'est dommage. Est-ce que à tout hasard,
Clément A. Voilà. Alpha, pardon. A savoir que 4 nuggets, 175 calories, donc si je manque de bol, je couvre mes besoins journaliers. Mais arrête, j'ai trop faim maintenant, Zerubino. Salut, c'est qui? Comment vas-tu? J'ai trop faim. Oh, on peut modifier? Sacré punch. Mais c'est parfait. Et puis voilà. Ok, et bah maintenant on va visiter l'autre côté.